Oh putain, Mais attends, ouais, bah... Oui. En parlant de ça, t'as vu le capitaine ou pas ce soir? Bah ouais, il était à côté de moi à l'hôpital, donc ouais. Ok. Y a rien eu de bizarre? Non, pourquoi? Ok. Pourquoi? Bah c'est trop Bah, par tard là, t'as rapport à commencé à 12. l'ouvrir. Bah ils vont se marier quoi. Bah oui, merci, ils vont se marier. Mais je pense que si elle l'a choisi, elle a dû lui dire quelque chose, non? Enfin, je sais pas, Bah tu elle a penses pas? dû... Bah je pense qu'elle lui a dit qu'elle voulait qu'elle acceptait de se marier avec, non? Mais putain, mais t'es con, quoi! Par rapport à ce qui s'est passé Quoi? entre moi et elle! Ah oui, c'est Ah, vrai! ouais. Mais je suis toujours sur mo sous morphine et Oh tout, putain, voilà. ça se voit, hein! Non mais je sais pas. Je sais pas, en vrai il est... Je pense pas, hein, vraiment, je pense pas. Ouais, tu penses... Oh putain, tu penses qu'elle y a rien dit? Je pense pas qu'elle lui ait dit, mec. Ok, bon, ça c'est déjà c'est une bonne chose, tu vois, parce que si elle est... J'aimerais lui demander quand même si elle a pas laissé échapper un truc et tout, parce que maintenant que c'est mort, c'est terminé, tu vois, j'ai pas envie qu'il y ait une embrouille à la con pour rien, quoi. Non, je vous explique. Je vous Ok, explique. vas-y, Ce qui s'est vas-y, passé, sort. c'est qu'il y a des hermanos Venez à qui plusieurs. étaient en train de faire l'essence en bas de leur quartier, et c'est ces putains d'héros des putains qui tirent. Attends, attends, attendez, j'ai des radios. Et Montez en radio, approche, j'ai besoin vous d'une voulez escalade, pas rigoler? trop loin. Est-ce que vous voulez rigoler, les gars? Ces putains de Latin Kings Madame viennent de dire 60, aux non, ce n'est Boyos que pas. c'est nous qui leur avons tiré dessus. Vous C'est vous quoi rendez le compte? numéro, par favor? C'est eux qui vous ont tiré dessus, les gars? Bien sûr que c'est eux qui nous ont tiré dessus. Je vous mentirai pas. On aurait Ah, tiré, ok. sur la terre. Je vous cache pas. Ok, d'accord. Voilà, Et je peux vous mentir aussi que bah du coup il y a eu des tirs enfin dans leur quartier, mais aussi là à Mirror Park. Je serais pas vous êtes pas liés non, du tout. c'est pas nous. Là, c'est pour toutes les On unités, a on a environ 4 environ 4 sultanes sultanes noires, nacrées noires, jaunes, nacrées qui sont en train jaunes de qui sont en train de tourner. tourner. Hein. T'as appelé, fais-toi un appel, on s'approche. Ah, Ah, D-5 pour pour l'instant, l'instant c'est bon, c'est c'est vers vers Mirror Mirror Park, Park, rien à leur mais reprocher, mais ça tourne. ça tourne. Ils font toujours le même trajet. Hein. Attends, 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 je vais te le présenter. C'est qui ça? C'est Jup! Comment allez-vous? Salut Lion, ça va? Très bien. Une excellente nouvelle. J'ai mon capitaine qui est tout de feu. Il va envoyer le mail de recrutement et je vais enfin pouvoir intégrer vos rangs. J'en suis ravi. Ah bah nickel, bah. Bibi! Bah moi aussi je Oui! suis. Je suis ravi. Et dis-moi, est-ce que pour mon D'accord. collègue, juste pour mon collègue, est-ce que tu pourrais pas refaire ton petit rap là? Tu sais, Le rap un de rap. brigand ou la sodomitrap? Ok. C'est juste un collègue. J'embarque sur LS sur le beat, ça va vite comme shot, vise le titre, chapitre, je suis ravi. Des fois, je me lève, je ne sais plus qui je suis. Simple soldat ou vraiment triple J. Je dors avec Juice, Ok, j'ai touché Zizi. Je vais buter Pac, ça fait zizir. Je vais être le Mac, le grand vizir. Viens là, que je t'attrape de donner du plaisir. La vérité, je crois que j'aime Alors, on Frisbee. doit y aller, Je rêve monsieur, de lui, de vite excusez-nous. comme un Frisbee. Ils sont quoi? En train d'entourer un véhicule de ballast. Donc, plus On est ça, en... va avoir besoin de renfort maintenant. Ça braque avec des armes, ça braque des ballasts. Oh bordel. 150 Oh mètres. là 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 là. Ça se fait que se braquer Arrivez là, sur ils sont place, beaucoup arrivez trop. sur place. On est derrière. On est On arrive derrière. côté ouest. Bordel, c'est quoi ce délire? Oh, C'est quoi ce reculez, délire, mec? Reculez, C'est quoi ce reculez, délire, vous mec? reculez. Hein. T'as tiré là? Ah non, Non, c'est bon, c'est non, bon, c'est non, bon. non, non, Allez, non. on recule, On recule, on recule, on recule. Il faut qu'on appelle tous les renforts. Hein. Mettez-vous comme nous, formez un triangle. Mettez-vous de travers de la route. Allez, Allez, formez un triangle, descend, faites comme moi, descend, un descend, triangle. Descends. descend. On est de l'autre côté, là. De l'autre côté. En vrai, c'est la merde, hein, 13 d'être sur l'autre côté. Rejoignez-nous de l'autre côté. Ok, on va tous Ok, s'en on va regrouper. tous Allez, Les vagos remontent dans leur véhicule. On va tous du même côté, tous du même côté, tous du Ils même remontent côté. dans le véhicule, 3 ils ont pris les balades, ils ont pris les balades. C'est quoi ce bordel? Eh, hey, ouais, ils kidnappent, ils Ils kidnappent! embarquent les Ils balades, embarquent allez, les balles, partir, allez, on y va, on y va, on prenez y des va. photos! Prenez des photos, Prenez prenez des des photos, photos. prenez des photos! Allez, Allez, arrêtez! Speedy, stop! Arrêtez-vous Stop! là! Stop! Arrêtez-vous! Allez, Speedy! Wow! Ça a tiré! On a encore a un balade, Ça a tiré, qui ça a tiré! On a des otages! On a des. Arrêtez, de... arrêtez de suivre, arrêtez de ils suivre, ils ont des arrêtez otages, suivre, arrêtez de suivre, on va rien. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de suivre, arrêtez de suivre. Wow. Au point où il y a eu l'appel, il y avait un balade, la balade, la voiture balade, la voiture balade. Allez, on est Putain, il faut le nerf, il faut le nerf. Allez, la oracle. La oracle, la oracle là, la oracle.
Allez, pite accordé, vous me la pitez. Ouais, mais on pite pas à fond, ça sert à rien. Oui, oui, bien sûr. Voilà, une voiture vague aussi qui va nous passer juste à côté. C'est pas grave. On chope celui-là, si nous dit rien, vous inquiétez pas, on va. Ah ouais, c'était nimp là. C'est des vagos qui sont chope après. Oui, mais c'est un vagos dans leur atelier. C'est un vagos dans leur Allez, faites des tirants pour y va. On peut lui mettre minimum association de malfaiteurs et qu'il a fait gagner. Tout à fait. Exactement. Allez, on s'arrête. Police, allez, on s'arrête. Stop. Allez, tu t'arrêtes. Police, stoppez-vous. Allez, arrête-toi. Bon, arrête-toi, tu bouges pas. Stop. Baisse ta putain de main. Baisse ton arme. Menoté, tu bouges pas. Menoté, on embarque. Menoté, on embarque. Tu ne bouges pas. Menoté, on embarque. Menotté, on embarque. Non, on va pas reculer. Ok, ok, écoutez-moi. Ok, écoutez-moi, d'accord. Non, on va se calmer. Écoutez, ça va être simple, ok. Alors, on va négocier, ok. Moi, j'ai un truc à dire, d'accord. Là, pour l'instant, là, vous avez une arme, donc c'est une menace. Voilà pourquoi on vous braque. Jetez votre arme et on va négocier, ok. Jetez-la maintenant au sol et on négocie. Je la veux au sol et on range nos armes. T'as compris? Putain, cette poursuite. Au sol et on range nos armes. Moi, au putain de kidnapping. Tu sais comment ça se passerait normalement? Là, normalement, je te dis, hein, on connaît c'est qui l'a fait, du coup, on connaît pas vos identités. Juste, moi, je te dis, j'ai vu un mec unmasqué qui est rentré dans la voiture. C'est pour savoir qui c'est, mais je te dirai pas. Ah, et je sais du coup votre appartenance. Normalement, comment ça va se passer? C'est simple. Normalement, on assaut vos deux barrios. Voilà comment ça se passe. Là, on va pas le faire parce qu'on est, je pense, un petit peu civilisés tous. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les deux ballasts, tu me les ramènes. Sinon, clairement, là, on n'aura pas d'autre choix. Là, c'est moi qui gère, entre guillemets, un peu. Du coup, tu as de la chance. Mais par contre, là, si le capitaine ou des personnes de l'OM arrivent, là, tu n'auras pas d'autre choix que de voir débarquer des blindés avec des putains de carabines venir dans ton quartier. Allez, les autres, vous me suivez. Quelle fréquence? On va tous dans la même? Ouais, dispatch. J'ai réussi à négocier. Il voulait de base me donner qu'un seul déballage. Il dit non, c'est pas possible. J'ai fait peur avec la pression qu'on pouvait débarquer tous au niveau des deux barrios. Du coup, il m'a dit ok, il m'a donné un rendez-vous. On va tous aller là-bas. Par contre, je veux aucune arme pointée sur des vagos avec des armes, parce que nos armes sont extrêmement puissantes. Ils meurent hier, donc je veux aucune arme visée à part si vous sentez une menace. Vous pouvez viser. Tu peux le prendre, vas-y. Ok, parfait. J'aurais préféré l'autre, mais celui-là, c'est déjà pas mal. En gros, 37 et 17, vous serez au plus proche de... Donc, si les deux ballasts qui font, ils montent à l'arrière de votre grandeur. Les autres unités, donc l'autre grandeur, 24, 68, c'est pareil avec le blindé. Le blindé, là, il va être au milieu, d'accord. Je vais passer en premier, ou 37 va passer en premier, je serai en deuxième. 24 et 68, vous serez à l'arrière, ok. Ce qui se passe quand vous arrivez sur zone, on attend de recevoir... C'est quoi déjà la touche pour verrouiller le véhicule? Une fois je viens d'oublier tellement je stresse. Vous allez à 3 sur zone, avec les 3 véhicules, le blindé, vous descendez des véhicules, d'accord. Seul 16, pour l'instant 16, tu descendras pas forcément, puisque toi, tu vas être le conducteur. Donc ouais, ceux qui sont dans le blindé, vous ne descendez pas. Même 60, même 12, vous descendez pas. Même des grandeurs, vous descendez. Donc ça veut dire que vous serez 4, dont un fusil à pompe, une M4 qui seront de sortie. Si on a ne serait-ce un qui pointe une arme ou qui ose faire n'importe quoi, ça partira. Il y a des unités, on n'est pas très loin là, ok. On est à 200 mètres. Là, on est juste à côté. Alors, regardez sur les toits, s'il vous plaît. Vous voyez très bien notre dispositif actuellement. Votre petit est dans et actuellement dans le blindé. Allez, à tout de suite. Hey Chica. Des nouvelles pour toi. Tu peux me prendre en photo? C'est dedans. Vraiment? J'arrête. Si, dans le blindé. Vous faites avancer doucement. Avancez, oui. Si ça n'avance pas de leur côté, ça avancera pas du nôtre. On n'est pas à la même distance, donc vous l'avancez jusqu'au grandeur. Arrête-toi. Il y a une sultane qui vient de sortir d'une ruelle qui s'est un petit peu avancée là, au niveau de sous le pont. Allez, avancez. Rejoignez-vous. C'est pas par ici, messieurs.
Allez, si, venez. On les fait monter avec nous, c'est pas. Allez-y, allez-y. Ok. Ah, c'était sûr. Bon, allez, c'est pas à vous. Bon, allez, venez. Ça va être simple, venez. C'est pas grave. Par contre, vous allez pouvoir monter ici. Ok. Ouais, c'est tombé. Ça va aller? Attention, hein. On se casse. Sultan qui vient de partir sur la plage. Hein. Allez, retour commissariat. T'as jamais été aussi calme. Ouais, c'est ça. On y va, mais sans trop longtemps. Plus de ça, tu m'inventes. Merci, 16. Parfait. Ah, bah, je pensais pas que tu me parlais à moi. Désolé. Tu crois que je parle à qui? Un mob derrière, je sais pas. Ah, j'en sais rien. Peut-être que t'es au téléphone. On sait pas, hein. Vu comment non, tu m'as parlé non, tout à l'heure, je pensais pas que t'avais envie de me reparler. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Comment tu m'as parlé il y a une semaine, 16? Waouh, t'es toujours sur le truc d'il y a une semaine? Ah ouais, je suis toujours là-dessus. Bah alors, je pense qu'il faut qu'on je parle. Je suis énormément déçu. Je veux faire monter sur toi, le grand dur à l'arrière. Ouais, t'es sûr. Ah putain, bah alors si toi t'es déçu, moi je suis quoi, en dépression? Comme ça, nickel. Bon, les autres unités restent devant, je vais accompagner les 37 et les deux Valas. Mettre en T1, t'étais où? Oui, excuse, j'ai pas vu. Pas vu? Oui, j'arrive. Ah d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va lui dire cette pétasse? En fait, t'as dispatch. Est-ce que c'est bon du coup pour la supérette ou pas? Ah, Pierre, j'ai juste eu un petit consentement. Une personne qui paraît dans la supérette, donc j'arrive. Bah, vous êtes en tout ça. Ah, parle de moi! Je suis mort! Hey, va écouter ce que dit 12, s'il te plaît. Va écouter ce que dit 12, 37, s'il te plaît. Ah, ah, les deux garces! Les deux garces! Non! Ça se voit de loin. Les gars, elles ont cramé. Ok, je suis arrivé sain et sauf. Du merci. Elles ont cramé quoi? Oh, bordel, j'ai rencontré une petite mamie dans la supérette et qui me parlait de son chien qui est perdu. Non, rien. Que t'essayais de pécho 68. Mais pas du tout. Oh là là, mais. N'importe quoi. Ça avance vite, le Speedy là. Non, mais bon, Douce qui balance des rumeurs. Quoi? On n'a pas le droit de faire filer ça. C'est sérieux? Wow. Ah, tiens, 68 te balance. Allez, Speedy. C'est dommage. Ah ouais, c'est fini les anges du LSPD. Évite de me parler en face, s'il te plaît, merci. On est d'accord. What? Calm down. Calm down. Wow. Beach you. Juste un truc à rajouter, c'est quoi ces trucs de 3ème là? Genre, ah, j'ai pas envie de sentir ton haleine. T'es mature en tout cas. C'est pas des trucs de 3ème, c'est tout, je dis la vérité. D'accord. Non, mais très bien, me parle pas. Non, mais y'a pas de soucis. C'est toi qui me parles en fait, donc je te réponds. Attends, 31, on parle dans les. Chut! Ouais, calm down! Ouais, bref. Et 31. Calm down! Oh putain. Stop. En tout cas, c'est pas moi, il y a une semaine qui chialait. Chill! Wow! Je vois pas de quoi elle parle. 12. What? Je change, j'arrive. Putain, sa tumeur là. C'est bon que vous essayez par terre. Ouais. Ouais. Bah vas-y, viens. On va parler des. KD18, prise de service en attente de dispatch. Bon, il se passe quoi? Tu te moques de moi, peut-être? Bah non. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut pas rester cordiaux? Tu m'as laissé en plan dans l'appartement. Je t'ai laissé en plan, mais attends. 10 jours, tu. Non. Laisse-moi parler. D'accord? Laisse-moi parler. Il y a même pas 10 jours, tu m'as dit si je fais un choix, je resterai auprès de toi quel qu'il arrive. Tu me l'as dit ou tu me l'as pas dit, 16? Ouais, je te l'ai dit. Ben, je suis là, en fait. Est-ce que je t'ai ignoré? Est-ce que je t'ai. Bien sûr que non. Est-ce que je t'ai pas parlé? Est-ce que. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? J'ai respecté ton choix. J'ai rien fait du tout. En me traitant de vénal? Ça a respecté mon choix, 16? Voilà, j'ai dit ce que je pensais sur le moment et. Après, je respecte ton choix, donc. Voilà, c'est bon, on peut genre arrêter de faire les gamins. Enfin, moi j'ai 35 ans, j'ai plus l'âge de faire les gamineries. On se parle correctement, au pire ça reste voilà, boulot, on se parle tranquille et puis voilà, c'est tout. Si on n'arrive plus à être amis, c'est pas grave. Pas grave. Enfin, je dis pas grave. Toi, si, c'est pas grave.
Tu m'as compris, c'est juste que voilà, je sais pas, je suis arrivé ce soir, ton salut il était pire que agressif. Mais pas, en même tu temps, cherches les mais cesse putain, mais j'ai fait un choix, ça m'a torturé, mais 4 jours sans donner de nouvelles à Aaron, 4 jours sans sortir d'un appartement que j'ai loué sans aucune affaire. Ouais, ben parce voilà, que, maintenant tu l'as choisi, paumée, il t'a pour la ça vie. Ça a été le plus il t'a dur pour la des vie. Choix. Donc et... voilà. Aaron, c'est bon, enfin, t'inquiète pas pour lui, il va très bien, à mon avis, hein. C'est bon, il a sa femme, il va faire son mariage, voilà, tout est cool, la vie est belle. Tu m'as laissé en plan, tu t'es cassé, tu me donnes une semaine sans nouvelles, 16. Mais en même temps... Et t'arrives comme une fleur, 16 prises au service, tu crois que je vais dire quoi, bonjour? Bah ouais, je pensais, tu vois, je pensais qu'on était au-dessus de ça. D'accord. Genre, vraiment, bah, comment tu l'aurais pris, franchement? J'aurais eu à choisir moi aussi entre deux femmes, comment tu l'aurais pris? J'aurais choisi l'autre. Mais tu l'aurais même pris pire que moi, j'en suis sûr. Je connais ton caractère. Bien sûr que non. Allez, arrête. Parce que c'est un choix que j'ai fait avec le cœur, 16. Eh ben voilà, ben t'as fait ton choix et tant mieux. Vraiment, sois heureuse, c'est tout ce que je te souhaite. Maintenant, si on peut rester normaux, ben moi ça me va. Je sais pas, de te voir genre comme si de rien n'était, sans même te parler, sans même te voir, je sais pas, genre c'est... Mais tu t'attends... affreux, tu t'attendais à quoi, franchement? Genre que tout allait redevenir comme c'était? Bah non, parce que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà, enfin on pourra pas l'effacer et moi j'y pense, forcément. Après voilà, t'as fait ton choix et je le respecte totalement, vraiment. Sinon je t'aurais plus du tout parlé, j'aurais limite même, peut-être pas démissionné, mais voilà, vraiment j'aurais plus essayé de garder contact avec toi. Regarde qui c'est qui vient te voir là ce soir pour te dire qu'il faut arrêter les gamineries. Genre, j'ai pas envie de te parler comme ça tout le temps, qu'on se lance des piques et tout, c'est ridicule. Puis en plus, t'es allé voir 68 pour lui dire des conneries, enfin... Quoi? C'est ce que je lui ai dit, je lui ai demandé si tu l'as... C'est tout. Mais c'est pourquoi tout, en fait. Pourquoi tu demandes ça, en fait? En quoi c'est mais tes parce affaires que... Mais parce que j'ai pas compté une seule fois pour toi, en fait, parce que... Hein? Parce que t'es un lover. Non, mais... Peut-être que je suis possessive, peut-être que oui, au fond de moi, je suis peut-être un peu jalouse, peut-être. Mais te voir, lui dire « Ah, c'est bien, 68, gna 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 », tu crois que ça m'a pas fait mal aussi? Et tu crois que je l'ai dit pourquoi? Tu le faisais ouvertement devant moi, mais je le sais très bien, je le sais très bien, mais ça me rend folle en fait. Ça me rend folle. Et je suis comme ça, je suis possessive parce que je t'apprécie, et en fait, te voir tourner la page comme si de rien n'était, et je sais pas, te voir parler à une autre meuf, pas forcément amoureusement, tu vois, mais genre amicalement, ça me blesse parce que... Parce que tu comptes beaucoup pour moi, et si je t'ai demandé d'être mon témoin, c'est que je t'apprécie énormément, en fait. Ouais, je comprends, mais genre, tu peux pas être comme ça avec moi, en fait. T'as fait ton choix, et tu peux pas être comme ça avec moi. Ça n'existe pas, des amis qui font ça. Ça n'existe pas. Tu peux pas être jalouse. Bien sûr. Tu peux pas dire, ouais, t'as pas le droit d'avoir d'autres amis-filles, ouais, t'as pas le droit d'avoir une copine. Le jour où je vais vraiment avoir une copine, et dis pas que je suis un lover. Je serais un lover, j'aurais déjà quelqu'un. Enfin, pas du tout. Mais comprends que, bah voilà, enfin, il faut que je fasse de nouvelles rencontres, il faut que je me vide la tête, il faut que j'arrête de penser à ce qui nous est arrivé. Et puis voilà, que si, d'un côté, que je tourne la page, vraiment. Mais je te parle au niveau des sentiments amoureux et pas de notre amitié, enfin... Mais certes, si tu te mets en couple, ça va me faire chier, je le sais. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été ambigu depuis le début, tu le sais. Ouais, mais ça peut plus l'être maintenant. Ça peut plus l'être. Genre je vraiment. Sais, je sais, je sais. Mais j'ai fait mon choix et je reviendrai pas sur mon choix, c'est là-dessus. Bah, j'espère. Parce que Aaron, je l'aime. Vraiment. Est-ce que t'as dit ce qui s'était passé à 07? Oh, putain, non, tu l'as fait. Oui. Mais non, putain, tu peux pas faire ça, Elena. Mais je suis obligée, j'étais obligée. C'est pas que le capitaine, c'est mon fiancé, tu vois. Ah, mais je le sais, mais moi c'est mon boss, comprends-le. Ah putain. Mais je suis restée 4 jours sans lui, sans le voir. Enfin. Fallait bien que je lui dise la vérité, je suis pas une menteuse. Non, je sais, mais au moins de dire que c'était pas forcément avec 16 et. Oh putain. Il a dit quoi? Rien, t'inquiète. Tu vas arriver au mariage, il va me sauter dessus, il va me défoncer. Non, t'en fais pas.